Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTL, CLFM+, et Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. En 2024, ce sont plus de 41 millions d'euros qui sont mobilisés pour la réalisation des travaux nécessaires dans les bâtiments, demi-pensions, cuisine centrale et logements de fonction des 43 collèges et 25 lycées de Martinique. L'habitation Vivez au Lorrain sera restaurée avec les aides de la mission Patrimoine. Dans votre rubrique « Votre avis compte », ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous qu'il est possible de remobiliser les Martiniquais comme en février 2009 ? Dans le Savoir et réfléchir de Roland Laouché, que vous retrouverez en fin de journal, il est question de l'impérieuse nécessité d'un plan. Jusqu'à maintenant, en cas d'infection urinaire appelée cystite, il fallait obligatoirement passer par le médecin pour avoir une ordonnance avant d'aller en pharmacie pour un traitement antibiotique. Depuis le 18 juin dernier, les pharmaciens peuvent délivrer cet antibiotique sans ordonnance. L'air aujourd'hui en Martinique est de bonne qualité. Rodrigue Petitot et une trentaine de ses amis se sont rendus à Carrefour Dillon et ont rempli leur caddie de produits de première nécessité. Puis, arrivés à la caisse, ils les ont abandonnés en disant qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer. La grande surface a finalement baissé ses rideaux. RPPRAC, l'association qu'il préside, a été conviée à participer cet après-midi à la préfecture aux discussions sur la vie chère. Les travailleurs du port avaient posé deux conditions pour assurer le fonctionnement normal du grand port maritime de Martinique, que M. Rodrigue Petitot soit remis en liberté et que des négociations commencent entre les différents acteurs concernés à propos de la vie chère. Ces deux conditions ayant été réunies, le port de Martinique fonctionne de nouveau normalement. Ces deux conditions ayant été réunies, le port de Martinique fonctionne de nouveau normalement. En particulier, les porte-conteneurs peuvent librement circulé depuis hier en fin de matinée. Ainsi donc, Rodrigue Petitot et son association RPP-RAC, très récemment donc apparue en Martinique, ont été invités par le préfet aux discussions qui se déroulent aujourd'hui à la préfecture sur le thème de la vie chère. Une décision qui de toute évidence crée une certaine amertume au sein de l'association Culture Égalité, qui elle n'est pas invitée. L'association féministe a en effet publié un communiqué dans lequel on peut lire notamment ceci. Dans notre société coloniale, capitaliste et patriarcale, ce sont les femmes qui sont le plus souvent en but au chômage, aux petits salaires, aux emplois précaires, aux faibles retraites. En même temps, c'est elles qui doivent souvent seules assumer la charge des enfants et donc affronter le coût de la vie et les hausses abusives des prix, tout cela dans une grande souffrance. Nous sommes prêtes à apporter notre concours à la défense des intérêts de la population et des besoins des femmes de la Martinique aux côtés des forces de progrès de notre pays. Suite à l'opération reprise de cartables par les établissements Leclerc, 100 sacs à dos et cartables collectés en bon état sont distribués par la délégation territoriale de la Croix-Rouge française en Martinique aux familles nécessiteuses du 3 au 9 septembre. Les familles en situation de précarité peuvent appeler le 06 96 33 44 50 06 96 33 44 50 afin de réserver leur cartable ou sac à dos. Les demandes seront traitées par ordre d'arrivée. Il faut donc chercher la Croix-Rouge sur Internet ou composer le numéro de téléphone. Je vous le rappelle une dernière fois, 06 96 33 44 50. Dans le cadre de la rentrée scolaire 2024, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, se rendra au lycée Joseph Zobel de Rivière-Salée demain, vendredi 6 septembre à 10h. Il sera accompagné des directions des bâtiments et de l'éducation de la collectivité territoriale. Il ira à la rencontre de la communauté scolaire et fera le point sur les travaux réalisés et livrés. Le service de presse des forces armées aux Antilles annonce une commémoration traditionnelle.
Demain, vendredi 6 septembre, le 33e régiment d'infanterie de marine, RIMA, et le régiment du service militaire adapté, RSMA, de Martinique vont commémorer le 154e anniversaire des combats de Bazeilles. Bazeilles est le nom d'un petit village ardennais situé près de Sedan, qui fut le théâtre d'un violent combat les 31 août et 1er septembre entre les armées françaises et allemandes au cours de la guerre franco-allemande de 1870. Durant cette bataille, les troupes de marine reçoivent l'ordre de reprendre le village. Alors que Bazeilles est encerclé, les soldats français, inférieurs en nombre et à court de munitions, décident de se retrancher dans une auberge afin de repousser les assaillants avant de se replier. Cette décision, acte de courage, construit le mythe des troupes de marine et est célébrée chaque année dans tous les régiments de troupes de marine de France et d'outre-mer. Pendant des décennies, l'Occident a imposé au monde sa vision du charme et de la beauté au féminin. C'était une femme mince. Aujourd'hui, les choses sont en train de changer, comme en témoigne le choix de la pulpeuse chanteuse barbadienne Rihanna par Dior pour être sa nouvelle égérie. La précédente était particulièrement mince. Jusqu'au 22 septembre prochain se tient au 19 rue Garnier-Pagès une exposition qui met en scène ce qui pourrait être la ville de Fort-de-France en 2050. C'est une exposition réalisée par des architectes installés à Fort-de-France, très surprenante, elle mérite. Afin de garantir un accès équitable au numérique, 1100 tablettes et ordinateurs sont mis à disposition des collégiens et lycéens par la CTM, avec une priorité donnée aux élèves les plus vulnérables, en fonction de critères de ressources définis en concertation et après étude des situations particulières. Ces équipements seront distribués courant septembre par les chefs d'établissement aux élèves de 6e et de 2e. En 2024, ce sont donc plus de 41 millions d'euros qui sont mobilisés pour la réalisation des travaux nécessaires dans les bâtiments, demi-pensions, cuisine centrale et logements de fonction des 43 collèges et 25 lycées de Martinique. Les travaux concernent essentiellement la conservation du patrimoine, entretien, maintenance et grosses réparations, le numérique, la performance énergétique, climatisation, éclairage, isolation des toits et des menuiseries, les renforcements parasismiques et la reconstruction des structures les plus anciennes. Parmi les travaux réalisés, en cours ou programmés, on peut citer notamment les travaux de réaménagement, d'extension des locaux et de réparation structurelle au collège des Trois-Îlets, la sécurisation des abords du collège de Gaudissart, la construction d'un local kayak pour la cité scolaire Franz Fanon, les travaux de réparation et de remplacement de modulaires au collège du Marin, les travaux de réfection de toiture du lycée de Châteaubœuf ou encore la finalisation des études opérationnelles pour la reconstruction du collège du Morne-Rouge ainsi que la reconstruction du collège des Terres-Saint-Ville. Édouard Philippe, Premier ministre d'Emmanuel Macron du 15 mai 2017 au 3 juillet 2020, a annoncé qu'il sera candidat aux élections présidentielles de 2027. Les obsèques du jeune Uriel se sont déroulées hier matin à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse. Près de 300 personnes sont venues soutenir la famille et rendre un hommage appuyé à cet enfant de 5 ans, décédé des suites d'une blessure par balle qu'il a reçue en pleine tête. C'était le 21 août dernier. Vêtu de blanc, portant pour certains un t-shirt, à l'effigie du petit garçon, proches, parents et anonymes ont prié et chanté pour accompagner Uriel à sa dernière demeure. Depuis l'élection contestée de Nicolas Maduro à la présidence du Venezuela, 1700 opposants ont été arrêtés et un ancien candidat aux élections présidentielles est activement recherché par la police. Il risque 20 ans de prison. Suite à l'expérimentation lancée en 2023, plus de 15 000 lycéens peuvent de nouveau bénéficier de la gratuité des livres scolaires cette année 2024. 100% numérique, hybride, numérique et papier, ou 100% papier, le choix est laissé aux établissements en fonction des souhaits des équipes pédagogiques. Ainsi, 36 établissements,
qu'ils soient publics ou privés, sous contrat d'association avec l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture ou l'École de formation professionnelle maritime et aquacole, recevront une dotation de montant de 1 800 000 euros et se chargeront de l'achat et de la distribution des manuels. La collectivité territoriale de Martinique est fortement mobilisée pour assurer une rentrée et une année scolaire dans les meilleures conditions possibles. Nous le faisons en fonction de nos moyens financiers et en concertation permanente avec les chefs d'établissement et la communauté scolaire. Nous ne pouvons pas satisfaire tout le monde à 100%, mais notre priorité est de permettre à nos enfants et au personnel de travailler dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a déclaré Serge Letchimi, le président du conseil exécutif de la collectivité. Ce sont 300 élèves ultramarins qui sont venus de leur pays d'origine pour assister aux Jeux Olympiques à Paris. Pour la Martinique, ils sont plusieurs dizaines scolarisés dans les établissements suivants. L'école primaire Victor Schellcher de Saint-Joseph, l'école élémentaire Auguste Réjon de Trinité, le collège Louis Delgrès de Saint-Pierre, l'école primaire Berthaud-Marie-Rose du Lorrain et l'école primaire Ozanam de Schellcher. Un mort et deux individus en fuite après le braquage d'un salon de barbier. Le mardi 3 septembre, en milieu de journée, plusieurs individus ont braqué le salon d'un barbier situé dans une rue passante de Pointe-à-Pitre. Un homme cagoulé a été abattu dans la rue par arme à feu et deux personnes sont toujours en fuite. Une enquête de flagrance a été ouverte pour homicide volontaire et vol avec arme et une autopsie a eu lieu hier matin, mercredi. À proximité des lieux du drame, une école où les élèves effectuaient leur rentrée scolaire a été évacuée et fermée par le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle du service territorial de la police judiciaire. C'est le 23e homicide commis en Guadeloupe depuis le début de l'année, dont 17 par arme à feu. La procureure de la République, Caroline Calbeau, a souligné que cet homicide n'est pas le seul fait du jour. Plus tôt dans la matinée de mardi, des tirs d'armes à feu dans une autre commune ont fait une victime, actuellement entre la vie et la mort. À Schellcher, la 15e édition du Forum des associations se déroulera ce samedi 7 septembre de 15h à 20h sur la place de Lance-Madame, côté rive droite. Le public est incité à venir découvrir les différentes activités sportives, culturelles, humanitaires ou de loisirs proposées par les associations en Schellcheroise. De nombreuses animations et démonstrations sont au programme. Inscrite sur la liste des monuments historiques français, l'habitation Vivet au Lorrain sera restaurée avec les aides de la mission Patrimoine, confiée à Stéphane Bern pour la sauvegarde du patrimoine précisément. Depuis 2018, l'habitation Vivet appartient à monsieur et madame Berthol. Le couple souhaite ouvrir la maison au public, organiser des manifestations et accueillir les réceptions privées. Les travaux de rénovation devraient commencer vers la fin 2025. Retrouvez maintenant votre rubrique « Votre avis compte ». Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous qu'il est possible de remobiliser les Martiniquais comme en février 2009 ? Pensez-vous qu'il est possible de remobiliser les Martiniquais comme en février 2009? En fait, pour moi, c'est un joker, en fait. Parce que, effectivement, ce qui est annoncé par le R, c'est très intéressant. Et par rapport au débat d'hier soir, ça nous a donné aussi un peu plus de visibilité, c'est-à-dire, enfin, visibilité de compréhension, plutôt. De compréhension à dans tout ce schmilbic. Mais effectivement, quand on entend, que libéralité, libéralise, ou je sais même plus trop quel mot vraiment employer, mais on se dit oui, effectivement, tout est libre. Mais nous ne sommes plus libres.
par rapport effectivement au prix. Moi, je vous parle, j'ai vécu 23 ans à Paris. Je suis de retour chez moi. Effectivement, je suis professionnelle, fonctionnaire. Mais je vous avoue que c'est super compliqué, en fait. C'est vraiment très compliqué de manger et de boire aussi. Il y a des choses que j'arrive pas à saisir. On nous demande de consommer local, mais le prix de la tomate, en fait, elle est beaucoup plus chère locale que importée. Après, j'entends. Les agriculteurs, ils ont des charges et tout ça, et machin, et tout ça, et tout. J'entends, mais effectivement, comment on fait pour s'en sortir? Alors, j'entends qu'on n'a plus envie de négocier. J'entends qu'on a besoin de solutions, effectivement. Et j'entends aussi de l'autre côté qui dit, « Ouais, mais bon, je suis un commerçant, quoi. Même si je suis au début et à la fin, j'ai besoin de faire du profit. » Oui, mais on se demande, est-ce qu'on n'est pas, effectivement, pris pour des poires? Pour l'instant, c'est un échec. Parce que je ne vois pas du tout d'avancée. Donc là, j'ai même écouté aux infos hier soir, le débat qu'il y a eu, ça n'a rien apporté. Exactement la même chose, je pense que le débat n'apporte rien, et les choses n'évoluent pas à Martinique. Je suis désolé, mais c'est comme ça, malheureusement. Ceux qui sont à la tête de la grande distribution, ils se mettent des ornières, ils ne veulent pas écouter le peuple. Eux, c'est uniquement leur intérêt qui compte. Donc là, je ne suis pas du tout convaincue. Un échec, je ne pourrais pas dire ça parce que on ne va pas se poser sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas encore fait, sur nos acquis, mais il faut juste qu'on continue et puis à un moment, comme on dit, ça va payer. Et voilà. Pensez-vous qu'il est possible de remobiliser les Martiniquais comme en février 2009? Alors, je dirais succès, pas échec. Et pourquoi? Parce que après l'émission que j'ai écoutée hier, quelles que soient les démarches ou les actions que les politiciens ou quelles que soient vous menez, il faut savoir que nous les habitants, on souffre de vos décisions. Et c'est dommage que des fois, on nous en plus que d'essayer de partager les choses de façon équitable. Alors, c'est plus complexe que ça. Déjà hier, j'étais devant la télé, j'ai regardé le débat, et je pense que c'était déjà intéressant d'avoir un peu de transparence sur ce qui se passe et les différents points de vue, que ça soit de la grande distribution ou du côté de la CTM, et aussi c'était bien d'avoir le ressenti du peuple parce que c'est le peuple qui fait le pays et si le peuple n'est pas content, le chaos, etc. Enfin, on sait. Donc, je pense que déjà un début de transparence, c'était déjà là. Et je pense que en partie, c'est un succès parce qu'on n'aurait jamais eu ce débat s'il n'y avait pas eu un début de mobilisation. Et je pense que si on continue à accroître la pression, ils seront obligés de se mettre autour de la table et de trouver une solution parce que c'est ce qu'on veut. On veut que la vie soit moins chère. C'est ça le seul but. C'est pas le R, c'est pas le machin. C'est faites-nous descendre les prix parce que là, ça va pas. C'est là, mes mains brûlent et mon portefeuille brûle. C'est tout. Pour moi, c'est un succès. Pourquoi? Parce que je pense que ça stigmatise vraiment tous les problèmes. Ça concerne l'ensemble de la Martinique. Tous les Martiniquais, classe moyenne, peu importe, vraiment nous sommes tous concernés. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « L'impérieuse nécessité d'un plan ». La France, confrontée à une dette publique écrasante et à des déficits budgétaires chroniques, n'a plus la capacité de maintenir le niveau actuel de subventions et d'avantages sociaux dans les DROM. Cette réalité impose une transition vers un modèle économique plus autonome, centré sur la production locale. Pour que cette transition soit possible, il est crucial de réveiller le potentiel de l'épargne locale. La Guadeloupe dispose d'une capacité de production largement sous-exploitée
et les entreprises locales ont la possibilité de s'ouvrir à des marchés régionaux, notamment dans la zone Caraïbe. Cependant, l'économie guadeloupéenne a été maintenue dans un état d'anesthésie par un système d'assistanat et des aides publiques qui n'ont pas réussi à stimuler un développement économique durable ni à réduire efficacement le chômage. Les défis actuels sont donc multiples: réorienter l'épargne des ménages vers des investissements productifs, sensibiliser la population aux opportunités d'investissement local et repenser les politiques publiques pour favoriser un développement économique qui ne repose plus uniquement sur la consommation et les aides extérieures, mais sur une production locale dynamique. Il est nécessaire de transformer cette épargne dormante en un moteur de développement, en réorientant les mentalités vers des investissements plus productifs et en exploitant pleinement les opportunités offertes par les fonds locaux. Fin de citation. Ceci est un extrait d'un article de Jean-Marie Nolle, cet économiste guadeloupéen que vous connaissez bien désormais. Ce qui est dit là des Guadeloupéens peut évidemment l'être également des Martiniquais. La première phrase de ce texte véhicule l'idée bien connue que nous sommes les danseuses de la République. Des danseuses que la République n'aurait donc plus les moyens d'entretenir. On peut évidemment se demander si quelqu'un en France a jamais considéré que la Corrèze ou le Cantal sont des danseuses de la République. Et a-t-on jamais calculé ce que coûte le Limousin ou l'Auvergne à la France? Par ailleurs, dans ce texte, M. Nolle affirme que nous devons nous développer et que pour cela nous devons commercer avec les pays de notre zone géographique. Commercer avec nos voisins géographiques. C'est un discours très fréquent, mais en réalité irréaliste. Il est difficile, en effet, de commercer avec des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter vos produits et qui peuvent, par contre, inonder votre marché de produits similaires à ceux que vous produisez, mais beaucoup moins chers. Sans compter que sur le plan international, ce sont nos concurrents, parfois féroces. On le voit bien en matière de tourisme. Vous avez peut-être vu leurs affiches dans le métro à Paris, c'est-à-dire au cœur même de notre clientèle privilégiée dans ce secteur. En réalité, il manque une chose essentielle au texte de M. Nolle, comme elle manque à l'ensemble de la classe politique dans les régions ultra-périphériques, c'est la liste des investissements productifs dont nous avons besoin. Au fond, chacun sait que ce n'est pas l'argent qui manque, même s'il faut regretter, comme le fait M. Nolle, que notre épargne ne s'investisse pas localement. Ce qui manque, ce sont des idées de filière, des projets véritablement créateurs de richesses, des projets qui ne se contenteraient pas d'aller chercher dans la poche des uns et des autres les fonds issus de l'assistanat, cet assistanat dont nous sommes effectivement victimes. Il faut rompre ce cercle infernal. Mais comment? Telle est la vraie question. Et la réponse est sans doute dans la mise en place de plans de développement, de véritables plans, soit indicatifs, soit impératifs, mais avec des objectifs précis et précisés dans un temps relativement court, comme les plans quinquennaux. C'est ce qu'a fait la France dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et elle s'est relevée. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de diabète. Les maladies cardiovasculaires sont en constante augmentation, touchant non seulement de plus en plus de personnes, mais aussi des sujets de plus en plus jeunes, alors qu'autrefois ces maladies étaient essentiellement l'apanage des personnes âgées. C'est le cas des maladies cardiovasculaires qui affectent un nombre croissant de jeunes, d'où l'intérêt d'améliorer nos connaissances sur les facteurs favorisants afin de pouvoir identifier les nouveaux sujets à risque qui pourraient bénéficier d'une prise en charge précoce, voire idéalement préventive. Dans ce domaine, des chercheurs polonais viennent de désigner des jeunes femmes diabétiques de moins de 45 ans. Après avoir analysé les données de plus de 7000 femmes ayant été victimes d'un infarctus du myocarde à tout âge, un facteur de risque s'est nettement dégagé des autres dans la population féminine la plus jeune, le diabète. En effet, parmi les femmes de moins de 45 ans, le fait d'être atteint d'un diabète multiplie ce risque d'accident cardiaque par 6. D'autres facteurs interviennent, mais de façon plus modérée. D'autres travaux sont nécessaires pour affiner encore plus nos connaissances, mais on peut dès à présent recommander aux femmes diabétiques, même si elles sont jeunes, avant 45 ans,
de surveiller de très très près leur santé cardiovasculaire et encore plus que les autres, d'adopter des mesures préventives comme des activités physiques, une alimentation équilibrée, une perte de poids, des bilans de santé réguliers qui leur sont par ailleurs déjà recommandés dans le cadre de la prise en charge de leur diabète. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Genie Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Pierre Laouchevitz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antille, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée en notre compagnie et que Dieu garde la Martinique.